Coucou à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vous explique un petit peu comment et pourquoi je suis devenue Egérie Fitness Park 2022. C'est donc en m'entraînant à Fitness Park Diderot que j'avais vu les affiches pour passer le casting. J'ai envoyé ma candidature et c'était quoi, genre un mois plus tard je pense, j'ai reçu un appel comme quoi j'avais été sélectionnée par le jury. En fait, il y avait plusieurs façons d'être Egérie, soit en accumulant un maximum de votes. Alors moi, j'en avais vraiment pas eu beaucoup. J'avais trop galéré. J'en avais eu 230, je crois. Mais genre, y en a qui ont eu plus de 1000 votes, je crois. Donc, en gros, j'étais très très loin de gagner grâce aux votes. Et ce que je ne savais pas, c'est que le jury pouvait également choisir 5 profils, 5 ou 10, enfin, je sais plus trop, des profils coup de cœur. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée par le jury. Donc voilà, on m'a annoncé au téléphone. J'étais en train de me sécher les cheveux et j'étais tellement contente. Donc voilà, non seulement on m'a appelé pour me dire que j'avais été égérie et on m'a aussi dit que j'avais été sélectionnée pour faire le spot publicitaire. On avait été 3 sur 15 à être sélectionnés, donc voilà, j'étais encore plus refaite. À la suite de cet appel, j'ai donc 4 jours avec Fitness Park. J'ai eu 2 jours de tournage pour le spot publicitaire, qui est déjà sorti d'ailleurs. Donc un jour de tournage à la salle, un jour de tournage lifestyle, donc moi on a loué, enfin ils ont loué un théâtre et j'ai chanté devant un micro un peu vintage et tout, enfin c'était vraiment super. Et j'ai eu 2 jours de shooting photo, donc pareil, un jour à la salle et un jour dans le même théâtre, voilà, donc j'ai eu 4 jours, c'était 4 journées très 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 remplies. Pour vous dire un petit peu, par exemple, le tournage publicitaire, j'étais sur place de 8h du matin à 21h30 le soir. Pour quelques secondes que vous voyez, mais ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps, mais c'était génial. Toute l'équipe était dingue et évidemment j'ai rencontré les égéries, pas toutes, mais j'en ai rencontré quand même la plupart et ben, évidemment tout le monde est trop sympa, on était tous trop contents d'être là, on s'est vraiment tous bien entendus. Et voilà, c'était une super expérience. Et je suis très très contente de faire partie de l'équipe Fitness Park pour cette année 2022. Si jamais vous vous demandez comment faire pour participer, etc., à mon avis, l'année prochaine, il y aura des annonces de casting. Donc je vous invite vraiment à participer si l'envie vous titille. Parce que comme moi, vous pouvez être surpris et être pris, quoi. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous mettre quelques images que j'ai filmées, que j'ai prises durant ces 4 jours avec Fitness Park. Coucou à tous, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, je me suis levée tôt parce que j'ai rendez-vous à 8h30 quelque part dans Paris et j'ai une journée vraiment très très spéciale qui m'attend, je suis super contente, je suis trop excitée et c'est parti! De tourner en fait des plans pour la pub Fitness Park, donc ils ont loué le théâtre de la Gaîté et j'ai fait quelques plans, voilà, ils ont loué un beau micro un peu vintage et c'était trop cool.
est passé devant un petit fitness park. Et qui va là? C'est la sœur! Mais c'est qui? L'égérie fitness park en direct de Marseille. Hihihi.